Alors, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. L'édition de ce soir prend place à l'intérieur de la 7e saison, laquelle est consacrée à des hommes et à des femmes qui ont défendu ou incarné cet idéal qui nous est tous très cher, la solidarité. Or, très certainement, la personne à l'honneur ce soir a incarné cet idéal, mais sur un plan international de la solidarité. Il s'agit bien sûr de Lucille Teasdale, qui est née dans l'Est de Montréal en 1929 et qui est décédée en Italie en 1996, alors qu'elle recevait des derniers soins d'un virus qui allait avoir raison d'elle, le sida, qu'elle avait contracté au début des années 1980. Lucille Teasdale a été une pionnière, on peut dire, une pionnière comme femme, et une pionnière dans un monde, dans un secteur relativement nouveau pour les gens de sa génération, l'humanitaire. Donc, pionnière comme femme. Comme elle est née en 1929, ça n'allait pas de soi pour une femme de son milieu et de sa génération de faire d'aussi longues études. Elle était brillante, elle a obtenu une bourse qui lui a permis de faire le collège classique, collège Jésus-Marie. Et ensuite, elle est passionnée par la santé. Au lieu de devenir infirmière, beaucoup de femmes choisissaient cette voie de sa génération, elle décide de devenir médecin. Elle s'inscrit à l'Université de Montréal. Non seulement elle devient médecin, mais elle choisit une spécialisation qui était très rare pour les femmes de sa génération aussi, la chirurgie. Au milieu des années 50, alors qu'elle fait sa résidence à Sainte-Justine, elle fait une rencontre absolument déterminante. Déterminante au plan intime et personnel, elle rencontre son mari, mais déterminante pour sa vocation et sa carrière en Afrique, en Ouganda, elle rencontre Piero Corti. Et donc, elle sera une pionnière aussi donc, dans le secteur humanitaire, puisque le couple s'occupera d'un hôpital en Ouganda pendant plus de 30 ans, dans des circonstances très périlleuses, dangereuses, comme nous allons le voir avec notre invité. Et justement, pour nous parler de cette femme exceptionnelle, ben, nous avons invité quelqu'un d'assez exceptionnel aussi, qui a une formation comme pédiatre, qui est médecin, qui est docteur, qui est professeur clinicienne au CHU de Sainte-Justine, qui est rattaché à l'Université de Montréal, qui est aussi professeur à McGill, à l'École des populations et de santé mondiale. Et si on la connaît bien, c'est qu'elle a été pendant 6 ans présidente du Réseau international de médecins sans frontières. Donc, il me fait vraiment plaisir d'accueillir, c'est un honneur pour nous d'accueillir la docteure Joanne Liu. Merci. Merci. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. Une invitation qui, oui, vous pouvez admirer la personne qui est à l'honneur ce soir, mais en même temps, vous n'avez pas fait profession d'historienne, donc vous avez une connaissance de cette femme, parce que c'est une femme qui vous a beaucoup inspiré, vous me l'aviez dit quand on s'en était parlé. Quand est-ce que vous la découvrez, Lucille Teasdale, dans votre vie, dans votre parcours? Dans mon parcours, bonsoir tout le monde. Donc, comme je ne suis pas historienne, j'ai des notes, hein, donc voilà, que j'ai préparées. En fait, si je me rappelle bien, elle est devenue en tout cas omniprésente parce que il y avait eu un reportage notamment, là, je me rappelle, à Radio-Canada, au Point. Puis c'était M. Lépine qui l'avait présenté au Point, mais c'était le journaliste Arsenault, si je me rappelle bien. Et puis, ça m'avait frappé parce que c'était quelqu'un qui était devenu chirurgienne, qui avait travaillé à l'étranger, en Ouganda. Mais ce que je me rappelle surtout, et c'est drôle parce que toutes les choses nous marquent comme parce qu'on a une histoire personnelle avec ça. Bien Donc, sûr. Moi, j'avais déjà décidé que j'irais travailler à l'étranger. Je voulais aller avec Médecins sans frontières. Et puis, je me rappelle qu'elle était diagnostiquée avec le VIH, SIDA, et elle était en phase pas mal avancée. Et je me rappelle qu'il y avait eu une discussion publique sur si on lui remettait sa carte soleil. Et je m'étais dit à ce moment-là, moi, je vais travailler à l'étranger et jamais, je vais me retrouver dans la situation que je ne peux pas venir mourir chez moi. Et je ne comprenais pas pourquoi qu'on hésitait à une personne qui était aussi hors norme au niveau de son don de soi-même qu'on se
on hésitait, en fait. Je ne comprenais pas. Parce qu'elle avait vécu trop longtemps à l'étranger. En fait, c'était la raison administrative oui, qui était... Oui, tout à fait. Mais il y avait un droit discrétionnaire oui. qui permettait au gouvernement de restaurer son accès aux soins de santé ici. Et ça a été comme la première fois que vous avez entendu parler d'elle et ça vous avait révolté. Oui, ça m'avait choqué. Mais probablement, c'est ça. Je pense que pour moi, il y avait quelque chose de qui était relié à mon prochain futur, probablement. Mais c'était ça, oui. Ce genre de femme qu'à ce moment-là, vous découvrez, vous êtes déjà aux études, me disiez-vous, quand vous découvrez cette femme-là. Mais c'est une femme qui doit inspirer quelqu'un comme vous, qui a dû inspirer comme pour votre vocation internationale. Ça a dû beaucoup vous inspirer. Elle était un personnage. À Sainte-Justine, c'était un personnage. Puis là, c'est quand même quelqu'un, tu sais, qu'à chaque année, on fait une journée qu'on appelle Lucille Tisdale. Mm-hmm. C'est toujours au mois de mai. Et à ce moment-là, on parle toujours un peu de son legs, de son œuvre. Mais nous, ça nous permet aussi de parler des enjeux internationaux. Donc, c'est comme ça qu'on se rappelle de Lucille Tisdale à l'hôpital Sainte-Justine, par exemple. Je vous avoue, je ne sais pas si c'est moi personnellement ou... Pas mal sûr qu'il y a d'autres gens qui nous écoutent qui doivent avoir les mêmes impressions, mais peut-être parce que je suis trop casanier, mais j'ai du mal à comprendre qu'on veuille aller dans des pays aussi difficiles, dans des circonstances aussi périlleuses pendant d'aussi nombreuses années, loin de son pays, loin des... Quel est le moteur? Qu'est-ce qui peut motiver une telle forme d'engagement pour vous, mais probablement aussi pour Lucille Tisdale? Qu'est-ce qui peut être le moteur de vouloir faire ce genre, vivre ce genre d'expérience périlleuse, dangereuse, dans des coins difficiles? Bien, je ne sais pas. Moi, j'ai écouté plusieurs de ses entrevues. Hein, j'ai fait mes devoirs. Puis ça me fait rire parce que je pense qu'elle dit tellement simplement, puis tellement de façon brute. Là. Elle a dit, la médecine, c'est pas une profession, c'est une vocation. Mm-hmm. Puis tant qu'à faire... Mais aussi bien de l'affaire où est-ce qu'il y a des besoins, et donc de faire ça dans des pays où il y a encore moins d'accès aux soins. Donc pour elle, c'était vraiment cet appel-là de vocationnel qu'elle a eu depuis toujours. Et puis d'ailleurs, sa sœur, à qui elle a écrit beaucoup toute sa vie pendant qu'elle était en Ouganda, sa sœur Lise, Elle disait que quand elle était jeune, parce que je pense que c'est devenu très, très tôt, il dit, ma sœur, puis moi, elle dit, on joue ensemble, parce que c'est sa petite sœur. Puis elle dit, on jouait à des jeux d'enfants. Puis il dit, moi, j'étais la mère, mais elle était toujours le médecin. Donc, tu sais, c'était comme ça, là, je veux dire. Elle a toujours eu cette espèce de désir-là de vouloir faire quelque chose, de vouloir le faire ailleurs. Et elle a gardé cette voie-là, hein, parce que je pense qu'elle aurait pu se faire décourager à plusieurs reprises. Oui, mais justement, mais vous aussi, vous avez été sur des... Je sais que vous ne voulez pas qu'on parle de vous seulement, on va parler de Mme Tisdale, vous n'en faites pas, mais en même temps, c'est l'idée d'être comme au front, tu sais, d'être là où ça chauffe, d'après vous, est-ce que c'est ça, la motivation? D'être dans des endroits où on pratique presque une médecine de guerre par moment, où c'est comme une forme de... On a l'impression qu'on fait vraiment une différence. Est-ce que ça peut être ça? Bien, en partie, oui. Moi, en tout cas, je ne me voyais pas. Tout le monde me disait quand j'étais jeune, parce que j'étais bonne à l'école, qu'il fallait que j'aille en médecine. Puis je disais, ah non, absolument pas, ça ne me le tente pas. Je regardais les médecins qui étaient autour de moi. Là, mais là, on parle des années 70. Là. C'est les grosses maisons, les piscines creusées, les grosses voitures. Ça m'intéressait, mais strictement pas. Puis en fait, c'est quand j'ai fait un séjour à l'étranger avec Carrefour Canadien International en Afrique que je me suis dit, ben moi, je vais devenir médecin, puis je vais aller travailler là. Puis c'est un petit peu le même cheminement qu'elle a eu, Lucille Tisdale. C'était vraiment de se dire, avec les compétences que j'ai, où est-ce que je peux faire une différence? Mm-hmm. Et moi, je pense que c'est un petit peu le parallèle qu'on a ensemble. Là. Et vous me disiez que quelques années, finalement, après sa mort, vous êtes allé en Ouganda vous-même. Oui, je suis allée en Ouganda. Racontez-nous, parce que là, vous avez comme été peut-être témoin, vous avez parlé à des gens qui l'avaient bien connu. Alors, comment ça s'est passé? Non, malheureusement pas. Donc, en fait, je me suis retrouvée en Ouganda en 1998. J'étais en charge de l'épidémie de choléra, donc j'y suis restée pendant 6 mois. C'était la première fois qu'on avait une épidémie de choléra, en tout cas dans le pays, qui n'était pas dans les bidonvilles ou qui n'était pas dans un camp de réfugiés. Donc, on appelait ça
des épidémies de choléra fermées. Et là, c'était ouvert. Donc, ça se passait de village en village. Et nous, on courait toujours après les cas de choléra. Et on ouvrait des centres de traitement. Et je me suis retrouvée à Goulou. Et là, je l'ai cherchée. Mais elle était déjà décédée, c'est 98. Mais je me rappelle d'être allée à l'hôpital de Goulou. Et là, je ne savais pas, parce que dans ce temps-là, l'Internet n'existait pas. On parle de 98, là, pas vraiment. Qu'il y avait deux hôpitaux, en fait. Il y avait l'hôpital de Goulou, qui était gouvernemental dans la ville, et à l'extérieur, à la Chore, ben, il y avait l'hôpital de Dr Tizel et Dr Cortier. Ça a dû être émouvant de retrouver ce lieu. Oui, mais non, c'est... Ben oui, c'est ça, parce que la première chose que j'ai dit, c'est où? ben oui, forcément. Alors, parlons justement de ses origines. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ses origines vraiment familiales, sociales, et puis de son éducation primaire, secondaire? Qu'est-ce qu'on sait de ça? Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est, elle vient là, de l'est de l'île, là, il appelait ça Guibourg, là, près de Chalon-Maisonneuve. Son père était boucher épicier. Donc, sa sœur, elle dit souvent, elle dit, on était un petit peu, elle dit, comme la noblesse là, du quartier. Là. Et puis, elle a étudié, puis elle est allée en pensionnat. Et moi, ce que je trouve intéressant, là, parce que, tu sais, elle appartient à un contexte. Hein. Elle était en pensionnat, elle avait 12 ans, puis il y avait les Sœurs de l'Immaculée Conception, qui sont venus parler à son école, puis qui ont parlé de leur travail de mission en Chine. Puis là, ça l'a comme tilté dans sa tête, je pense, parce qu'elle a dit « Oh, wow, ça, c'est super intéressant ». Mais elle, son obsession, c'était d'aller travailler en Inde. Et elle voulait travailler en Inde. Ça me fait rire quand j'ai lu ça, parce que moi, c'était mon obsession aussi. J'ai allé travailler en Inde. Je ne sais pas, mais j'avais ce truc-là que je voulais aller en Inde. Mais probablement un peu Sœur Thérésa, qui était aussi... Oui, c'est vrai. C'est quand même des images comme ça qui restent avec nous, qui créent des envies. Et donc, elle a cette sœur qui va parler, c'est ça? C'est ça. Donc, il y a une sœur, une religieuse, qui vient parler de son expérience. Puis elle se dit, ben oui, moi, je vais aller travailler à l'étranger. Puis après ça, ça s'est cristallisé autour parce que quand on travaillait en mission, en tout cas dans les missions religieuses dans ce temps-là, c'était soit de l'éducation, soit de la santé. Ouais. Puis après ça, plus tard, elle était dans une autre école et là, elle a rencontré un médecin qui est docteur Dussault, qui était psychiatre. Elle s'est dit, ah ouais, on peut être médecin, puis on peut être femme. Yes. Fait qu'elle s'est dit que ça va être ça. Et je pense que ça a été vraiment pour elle. Je pense que c'est là qu'on se rend compte que les modèles, c'est important. Puis qu'il faut avoir ces gens-là qui vont nous inspirer, qui vont nous dire, ben oui, c'est possible. Parce que régulièrement, on se fait décourager. Est-ce que vous, parfois, vous faites des conférences dans les écoles comme ça pour partager vos expériences? Oui, j'en fais. En fait, j'aime pas tant que ça en faire, mais j'en fais. Ouais. Parce que tout le monde me dit, oui, il faut avoir des modèles. Puis comme aussi, je fais des fois des entrevues dans des revues tout public parce que les gens disent... On n'en a pas tant que ça, des gens racisés qui viennent de la ville de Québec, d'un père qui a un restaurant. Il n'y en a pas tant que ça. C'est ça. En effet, vous avez un parcours particulier, mais on pourrait écouter des entrevues de vous. Il y a plusieurs entrevues de vous sur le web, sur la toile. Alors, le choix de la médecine, donc ça serait quoi cette femme qui est allée faire une conférence? Je pense que c'est en partie c'est ça, mais elle, c'était la chirurgie qui l'intéressait. Là. Ça n'allait pas de soi là, pour une femme de cette génération-là. Elle a fait son collège classique aussi. Oui, oui. Puis même juste rentrer là, en médecine, fait qu'elle a gagné, en tout cas, elle a réussi à avoir une bourse pour aller à l'école. Mais quand elle est rentrée en médecine à l'Université de Montréal, sur 110 personnes qui étaient inscrites en médecine, il y avait 8 femmes. Oui, c'est ça. Fait qu'on est, ça s'appelle être une minorité, là, dans ce temps-là. Oui. Donc, voilà. Mais 8 femmes, puis en plus, médecin spécialiste, là. Oui, c'est ça. Donc, en premier, ça marche toujours comme ça. On fait son cursus général en médecine. Donc, elle a gradué à ce moment-là, je pense, autour de 1955. Puis après ça, elle a choisi la chirurgie. Et c'est là qu'elle a fait là, différents endroits. Notamment, elle était à Sainte-Justine, mais après ça, hôpital Maisonneuve-Rosemont. Après ça, Hôtel-Dieu. Donc, elle a fait 6 ans, mais pour être capable de graduer, il fallait faire un stage à l'étranger. Et c'est là que c'était vraiment difficile pour elle parce qu'il fallait aller à l'étranger. Donc, elle s'est tournée vers les États-Unis, qui était assez normal dans ce temps-là, puis elle a été refusée partout. Elle était fort découragée et puis finalement, elle a essayé d'appliquer en France. Elle a été acceptée à Marseille.
Alors, c'est ça. Donc, elle se retrouvait à Marseille pour faire finalement un stage? C'est un stage en chirurgie. Il fallait faire absolument son stage à l'étranger? C'est ça. Apparemment, pour valider le tout, dans ce temps-là, le curriculum était comme ça. Ah oui. Alors, on peut imaginer qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes non plus pour étudier la chirurgie. Est-ce que c'est une des raisons pourquoi elle aurait été refusée ou on ne sait pas vraiment? Mais en partie, en tout cas, aux États-Unis, ouais. Elle s'était fait dire qu'il n'acceptait pas vraiment de femmes en chirurgie. Ah, donc, il faut s'en remettre quand même dans ces années-là. Là, on parle des années 50. Mais oui, mais écoutez, je ne sais pas si c'est des chirurgiens là, dans l'audience, là, mais c'est quand même encore bien macho, là, on s'entend. on va se le dire. Hein? Moi, je me rappelle que je voulais être chirurgienne parce que j'avais lu un livre sur un chirurgien qui a travaillé avec Médecins sans frontières quand j'étais adolescente. Puis quand j'ai fait mon premier stage de chirurgie, j'ai dit « Oh boy! » J'ai dit 5 ans de ça, il n'y en a pas question. C'est un milieu qui vous a rebuté. Non, qui m'a rebuté. Puis pourtant, c'est ça. Fait que là, il a fallu que je trouve une monnaie d'échange qui était pour être intéressante. Puis je me rappelle que quand j'étais allée en Afrique, bien, il y avait beaucoup d'enfants, puis j'ai dit, je ne manquerai jamais de business avec des non, enfants. Ça, c'est sûr. Fait que je vais aller en pédiatrie, puis là, je voulais aller faire de la chirurgie. Je voulais être dans les milieux de guerre, je voulais être sur le front. C'est pour ça que j'étais allée faire mon urgence pédiatrique à New York, parce que dans ce temps-là, il y avait encore pas mal, d'attaques à l'arme blanche, balistique. Puis là, bien, on était dans un centre de trauma, là, donc je suis allée à Bellevue. J'ai fait ma formation là, de quelques années. Au milieu des années 50, donc, vous l'avez dit, elle fait sa résidence à Sainte-Justine. Et là, elle fait une rencontre vraiment marquante. Un certain Pierrot Corti. Parlez-nous de lui. Bien là, Pierrot Corti, moi, je ne le connais pas, mais tout le monde le décrit comme beau garçon, hein, déjà. Fait que je me permets de dire ça, il faut toujours être politiquement correct, là, mais pour une fois que c'est un gars, c'est une fille qui dit quelque chose, c'est un gars, on va se permettre ça, là. Bref, mais apparemment un beau garçon, mais lui, il était là, il avait déjà gradué en radiologie, il venait faire sa neuropsychiatrie infantile, et puis il voit cette dame-là, Lucille, qui est interne, puis apparemment qui était une sacrée bosseuse, et c'est dans une entrevue, c'est Dr Gloria Gélieu, que peut-être certains connaissent ici, là, qui est une personne qui a travaillé en médecine de développement, qui était une de mes professeurs. Et je pense qu'il l'a un petit peu dragué, là. Je ne sais pas trop, hein? On ne sait pas trop. Hein? Il l'a trouvé bien cute, je pense. Oui. Ouais. Mais c'était un homme qui venait d'un milieu, mais non seulement, évidemment, c'était un Italien, donc il vient d'un autre pays, il vient d'Europe, mais c'était un homme qui vient d'un autre milieu social aussi. C'est il venait... Alors, décrivez-nous peut-être un peu ces fossés entre les deux. Là. Ça n'allait pas de soi, là. Non, 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 mais lui, c'est quand même drôle, hein? C'est un sacré... Il venait d'une riche famille milanaise, et puis, donc, il n'y avait pas de problème d'argent. Il faisait déjà sa deuxième spécialité, fait qu'il n'y en avait pas de problème, là. Puis dans sa famille, qu'est-ce qui est quand même intéressant, il y avait deux frères qui étaient médecins, dont un qui a travaillé en Chine, puis il y en a un autre qui a travaillé au Tchad avec les pères jésuites. Donc, il y avait déjà cette espèce de fibre-là de travailler à l'étranger, le don de soi. Puis lui, il s'était mis dans sa tête. Puis c'est quand même intéressant comment on le décrit, Pierrot Corti. C'était un homme qui était one-track mind. Là. Je pense qu'il était pas mal intense, là, mm-hmm. La manière que j'ai compris. Là, sa mère disait, oh, je me demandais s'il était pour arriver à quelque chose, là, parce qu'il était comme il est un peu hyperactif, je pense. Mais c'est quelqu'un qui j'ai parlé à sa fille récemment, puis elle me disait, mon père a dit, il y a eu un triple pontage, puis sa cinq jours après son triple pontage, dans ces années-là, il était sur le téléphone en train de faire de la levée de fonds avec ses petits jetons là, dans le téléphone public là, à Milan. Donc, c'est un homme intense. Oui. Et donc, ça va être une rencontre déterminante, son mari. Et en 1961, il se marie à Goulou, en Ouganda. Pourquoi? Pourquoi là? Mais là, les autres... Comment ils se rendent, là? Mais ben oui, ben lui, il faut nous expliquer. Lui, il avait spoté ça. Il avait pas d'Internet, mais il avait spoté qu'il y avait un hôpital qui avait été commencé, en tout cas en 1959. Enfin, on s'entend, un hôpital, là, c'était pas mal un dispensaire, 40 lits.
Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est que quand Lucille Tisdale est arrivée à Marseille pour faire son stage, elle a écrit à Pierrot Corti, elle a dit « Hello, je suis à Marseille, pas trop loin. » Et bien, donc, il est venu la voir. Puis là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé comme tel, là, mais je pense que ça s'est bien passé. Ils n'ont pas juste parlé de médecine. Bien là, ils ont peut-être fait autre chose, en tout cas. Mais du coup, il l'a invitée à passer Noël chez lui, à Milan, mm-hmm. Cette année-là. Et donc, elle s'est retrouvée à passer Noël. Et puis, puis là, il a dit, hey, il faut que tu viennes à Goulou. Il dit, lâche pas toute ta résidence, viens avec moi. Ça a dû se donner le goût. Puis elle, c'était quand même quelque chose aussi qu'elle voulait. Elle voulait aller en Inde, là, c'était l'Afrique. Fait qu'elle est allée quelques mois. Et lui, il faisait chambre à part. Hein. Donc, elle est allée, il était chez les sœurs. Oui, parce que c'était part. Une femme assez croyante, oui. Lucille Tisdale, je pense, non? Assez, mais je pense que Pierrot Corti était beaucoup plus. Ah oui, non, mais c'est ça, oui. Les deux avaient la fibre. Jusqu'à un certain point, parce qu'on parlera du pape plus tard, là, mais oui, jusqu'à oui, un certain non, mais, point. Oui, vous avez raison, il y a eu un petit. Oui, vous avez raison. Mais en tout cas, il semble que les deux étaient des gens qui. Si, oui. C'est ça. Et donc, ils font chambre à part avant de se marier, et ils vont se marier donc en Ouganda, parce qu'il avait quoi identifié cette ville, et puis une institution. Une institution, donc un dispensaire qui était à la Chor, qui était juste à l'extérieur de Goulou. Et puis là, ben, elle était venue. Pour quelques mois, je pense qu'elle a quand même été, c'est toujours drôle parce que quand on regarde certaines entrevues de Dr. Tisdale, elle dit Pierrot, il dit toujours que je suis tombée en amour avec l'Afrique en premier, puis après ça avec lui. Mais elle dit, c'est pas vrai. Fait qu'on saura jamais la fin de l'histoire. Mais je pense qu'elle a eu un coup de cœur pour l'Afrique. Je pense que ça a senti l'appel. Elle est rentrée à Marseille. Puis après ça, l'appel était trop fort. Il l'a rappelé, puis elle est revenue. Puis se sont mariés. Mais là, tu sais, quand elle est revenue, on dit, hey, là, on ne fait pas chambre à part encore. Fait qu'il faut vraiment se marier. Fait qu'ils ont fait ça tout de suite. Ah oui. Ils n'ont pas niaisé. C'était d'ailleurs souvent le cas des couples croyants. Ils se mariaient pour aller peut-être plus vite pour faire chambre commune. Parlons de ce couple. Un mot sur ce couple, parce que on a vraiment l'impression que c'est un couple là, qui c'était des inséparables. Ça a été des partenaires de vie. Donc, parlez-nous un peu de ce couple. Ils ont eu un enfant ou plus? Combien d'enfants? Mais beaucoup disent que c'était un couple, c'était des inséparables. Quand je parlais à sa fille la semaine dernière, elle dit, ce que je me dis, c'est que mon père serait allé en Afrique, mais ne serait jamais resté aussi longtemps sans ma mère. Ma mère ne serait probablement pas allée en Afrique si ça n'avait pas été de mon père. Mais c'est grâce à ma mère que mon père s'est développé des racines pour rester à Goulou. Je trouvais que c'était bien, mais en fait, c'est comme une espèce de... Elle a dit que c'était une symbiose passionnée ou un triangle amoureux, Pierrot Corti, Lucille Tisdale, puis Lachaire, l'hôpital. C'était à peu près ça. C'était indissociable, ça allait ensemble. C'était ça. Et ils ont eu une fille. Moi, je n'ai pas compté le nombre de jours, là, mais c'est en 1962 qu'ils l'ont eu. Ils se sont mariés en décembre 61, puis ils l'ont eu en 62. Je n'ai pas regardé la date de fête. Je ne sais pas si c'est une prématurée. Tu sais. On ne sait pas s'ils ont respecté... Hein? Bon, c'est ça, vous êtes pédiatre. On ne sait pas s'ils ont respecté les sacrements du mariage. Donc, un seul enfant, mais cette femme, Mme Dominique Corti, je crois, elle a poursuivi l'œuvre de ses parents. Oui, c'est extraordinaire. Dominique Corti, leur fille, elle est née là-bas. Elle est en ce moment en Italie. Hein? Elle aurait bien aimé être parmi nous, mais... C'est ça. Elle vit à Milan. Et puis aujourd'hui, c'est elle qui s'occupe en grande partie là, de la fondation. Mais c'était quand même quelque chose, là, leur fille, parce que, bon, ils n'ont eu qu'une seule fille. Mm-hmm. C'est drôle parce que son nom en acholi, c'est Atim, puis
Puis Atim, ça veut dire née loin de chez elle. Née loin de, et elle a dit toujours, ben non, je suis née chez nous. Elle dit, chez nous, c'est Goulou. Donc c'est ça. Mais c'est quelqu'un qui, on en parlera après, là, mais qui n'a pas resté toute sa vie à Goulou, là, mais qui est très, très, très attachée. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, elle est médecin, mais surtout elle s'occupe de la fondation Curtis Tisdale. Ben justement, alors parlons de Goulou, parlons de l'Ouganda, parce que je pense que pour comprendre le théâtre d'opération de cet hôpital, pour comprendre aussi les périls auxquels ils ont fait face, les dangers, les difficultés, il faut essayer de comprendre rapidement là, qu'est-ce que c'est l'Ouganda, d'abord au début des années 60, quand ils arrivent, mais qu'est-ce que ça va être jusqu'à la fin? Et c'est pas un pays facile. Ça l'est peut-être plus maintenant, vous me disiez ça tout à l'heure, mais je ne suis pas l'actualité politique ougandaise de près, mais vous me disiez que c'est un pays qui est plus sécuritaire en ce moment. Mais parlez-nous un peu de ce pays, de ce théâtre d'opération. Jusqu'à quel point, justement, ça n'a pas été évident par moment? Ben, tu sais, Goulou, premièrement, dans les années 60, c'était un protectorat là, de britannique, puis on l'appelait la perle de l'Afrique. Donc, tous les rêves étaient possibles dans ce temps-là. Hein. Quand ils sont arrivés là-bas, Pierrot Corti, puis Lucille Tisdale, mais ils faisaient des safaris, ils allaient à la chasse, c'était la savane, c'était out of Africa, là, tous les soirs. Là, puis, le bonheur ne dure jamais. Là. Et donc, il y a eu l'indépendance du pays en 1962. Puis ça, ça n'a pas été vraiment la fin des haricots. Mais il y a eu trois coups d'État dans ce pays-là. Donc, il y en a eu un en 1966, où là, le pouvoir a été pris. Puis ça non plus, ça n'a pas été complètement... Ça n'a pas bouleversé tant la vie, mais notamment pas tant dans le Nord. Donc, c'était Obote qui a pris le pouvoir. Mais son ministre de l'armée, c'était, et là, je pense que tout le monde le connaît probablement, là, c'est Idi Amin Dada. Et donc, c'était l'ère de donc, lui était là. Et là, lui-même a fait un coup en 71. Et donc, ce deuxième coup-là, et je pense que les années sous Idi Amin Dada, bon, c'était des années d'horreur, de violence sanguinaire. Une année après, il a pourchassé les gens de l'Asie du Sud du pays. On parle d'au moins 60 000 personnes qui sont parties comme ça. Puis tout était... C'était un gars qui régnait par la terreur. Et on aurait pensé que quand lui, il est parti, parce qu'il a fini par... il a fait une erreur stratégique, il a été attaqué à la Tanzanie, oh boy, ils ont réattaqué, puis là, ils l'ont sorti. Et donc, en 79, il a quitté, mais c'est là que je pense que ça a commencé complètement à déraper dans le pays, parce que c'était un... C'était à ce moment-là que la guerre civile a commencé dans le pays. Puis c'était pire que tout ce qu'il y avait eu avant. Et on aurait pensé que la guerre civile, ça aurait été la fin du malheur de l'Ouganda à ce moment-là. Puis en 86, il y a eu un autre coup. Et là, c'est Museveni qui était au pouvoir. Et moi, c'est cette période-là que je connais plus parce que j'ai travaillé en Ouganda puis j'ai fait face à eux. C'est qu'il y a eu toute une espèce de bad trip total dans le nord de l'Ouganda qui étaient des groupes messianiques. Donc, il y avait le groupe de Alice Lakwena qui était le mouvement du Saint-Esprit qui était attaché avec les différents groupes rebelles. Mais celui qui est plus connu, que vous avez sûrement entendu parler, c'est Joseph Kony. Qui était dans le Nord, puis que lui, il a l'armée des résistances du Seigneur, et qui ont kidnappé des enfants, et qui auraient kidnappé à peu près 60 000 enfants, selon l'UNICEF. Donc, et là, ils ont fini par partir, mais ils sont toujours, ils ne sont pas complètement partis. Puis nous, on a eu affaire à ça, à eux, à Médecins sans frontières. C'est vraiment un groupe. Donc, tout ça a fait qu'on se retrouve dans un pays... qu'à un moment donné, il y a des coups, il y a des mouvements d'armée. Après ça, il y a des milices qui se font. On ne sait pas avec qui sont ces milices-là.
Mais c'est toujours pareil, la guerre, dans ces moments-là. C'est que les gens qui paient, c'est la population civile. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que la plupart du temps, ces militaires-là ou ces milices-là ne sont pas payés, ne sont pas nourris. Puis qu'est-ce qu'elles font? Bien, elles se paient sur la population. Ça se voit partout, ça se répète partout. Et donc, c'est la population qui a été otage régulièrement. Et l'hôpital de Goulou est devenu une espèce de sanctuaire, parce que pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, la population civile dormait dans l'enceinte de l'hôpital. On parlait de milliers de personnes qui dormaient dans l'enceinte de l'hôpital. Et ça, c'est des scénarios qui se répètent tout le temps. C'est pour ça que quand j'ai fait la campagne PMSF, qu'on ne bombarde pas des hôpitaux, qu'importe où elles sont, c'est parce que c'est des havres de paix. C'est des endroits où on doit guérir, où on ne doit pas penser qu'on va se faire attaquer. Que ce soit à Goulou ou à Montréal ou en Afghanistan, c'est la même chose. Mais est-ce que c'est généralement respecté, même par des milices, même par des groupes extrêmement violents, dans des pays comme ça, où il règne une sorte de chaos, est-ce que c'est relativement quand même respecté, ça? Mais ces sanctuaires? Ça dépend vraiment comme ce que... Comme une règle non écrite. Ça serait une sorte de règle non écrite. C'est une règle non écrite. Pourquoi ça devient une règle non écrite, à quelque part? C'est qu'à un moment donné, tu finis toujours par soigner le rebelle ou le militaire ou la blonde du rebelle ou la mère. Les gens vont te protéger. Puis notamment, dans les dernières fois qu'ils se sont fait quand même là, attaquer, Piero Corti, parce qu'ils ont rarement fermé l'hôpital. Ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et rarement, là, moi j'ai l'air d'une touriste humanitaire à côté des Tisdale Corti. C'est juste pour vous dire. Ils ont rarement fermé l'hôpital. Puis les fois qu'ils l'ont fait, c'était quand même de courte durée. Puis ils ont toujours gardé les urgences ouvertes. Donc, s'il y avait des blessés qui arrivaient, mais il n'y avait pas tous les autres services de clinique externe et tout le reste. Et à un moment donné, notamment Joseph Kony, ils avaient fermé l'hôpital. Puis Joseph Kony est arrivé puis il a dit, vous allez avoir des représailles si vous fermez l'hôpital, si vous gardez l'hôpital. Donc, Corti a dit, Piero a dit, right, ils viennent comprendre, ils disent qu'on est essentiel, fait qu'il va nous protéger. Et puis c'était la dernière fois qu'ils ont été attaqués après ça. Donc, pourquoi un hôpital comme ça reste ouvert? Les raisons, c'est, un, une sorte de règle non écrite, deux, du courage, on peut le dire, j'imagine, mais est-ce que aussi il y a du travail politique qui se fait? Est-ce qu'il y a de la négociation, un peu de diplomatie avec les forces en présence? Toujours. Quoi, on établit un canal de communication, puis on n'a pas d'état d'âme, parce qu'il ne faut pas d'état d'âme, j'imagine. Parce que des fois, on est face à des gens extrêmement violents qui ont commis des crimes atroces, mais comme ils contrôlent le territoire, il faut transiger. J'imagine que vous avez fait face à ça. Ah, ben oui, mais de toute façon, Idi Amin Dada est allé visiter l'hôpital en 1976, puis son commentaire, c'était, parce qu'il y a quand même une réputation que les cortisés étaient des gens qui avaient une certaine discipline dans l'hôpital. On y reviendra. Puis la première chose qu'il dit, moi je rêverais, il dit que mon armée a une discipline comme dans votre hôpital. Alors, je ne sais pas si c'est un compliment là, dans ce cas-là, mais c'est ça, donc il faut essayer de transiger avec ces gens-là, pas avoir d'état d'âme, puis négocier aussi. Mais on négocie, je veux dire, on parle à tout le monde. Ouais. À Médecins sans frontières, on parle à tout le monde, on parle au gouvernement, mais on parle aussi aux acteurs non étatiques et on explique qui on est. Il y a toujours des règles de base opérationnelles, hein, qui est l'indépendance, l'impartialité, la neutralité. Et tout le monde peut venir. Et la règle, c'est que la population civile peut venir, mais aussi les combattants blessés, que ce soit du côté gouvernemental, que ce soit du côté rebelle. Et l'hôpital de Latchar a été ça. Elle a traité tout le monde. Et durant les années où ils ont été en charge donc, de ce sanctuaire, de cet hôpital, les enjeux principaux de santé publique de ce coin de l'Afrique, c'était quoi? Bien, je pense qu'il y avait les enjeux de base là, ouais. Qui étaient la,
qui était la malnutrition. Ça, ça avait été un gros enjeu, notamment, c'est une des choses que... Eux, les Tizé-le-Cortier n'étaient pas super intéressés par la prévention, malgré qu'ils ont fini par s'y intéresser. Mais c'est comme ça qu'un des médecins de Sainte-Justine, Dr Desjardins, est allé travailler à l'extérieur dans des dispensaires, parce qu'il disait il faut éduquer les mamans, il faut qu'elles alimentent bien les enfants pour pas qu'on se retrouve avec des enfants qui ont des malnutritions sévères comme le kwashiorkor. Donc, il y avait ça, mais il y avait les trucs de base de les gastroentérites, les dysenteries, la malaria. Et je pense que ce qui est arrivé après, surtout dans les années 80, c'est ce qu'on appelle, au début, on appelait ça la maladie de grande maigreur, en anglais slim disease, et c'était le VIH-Sida. Donc ça, à partir des années 80, c'était très présent et un pourcentage prépondérant des patients qui étaient hospitalisés étaient VIH séropositifs. On peut imaginer qu'un des grands défis pour un hôpital comme celui de Goulou qui dirigeait, c'est d'avoir du personnel compétent. Hein, c'est bien de faire venir du monde, là, mais ça coûte cher, puis c'est des expats, comme vous dites, je pense, dans votre milieu. Donc, c'est des expatriés qu'on doit loger, mais idéalement, on forme des gens sur place, on forme des gens du pays, des locaux. Hein. Est-ce que ce souci-là a été important dans l'histoire de leur hôpital pendant qu'ils étaient là? Oui, moi, je dirais que les Tisdale-Cortis, là, ils étaient woke avant tout le monde. Non, mais je pense que, tu sais, c'est bien d'en parler parce que, tu sais, ils appartiennent quand même à une époque. Mais très, très, très rapidement, eux, ils se sont dit, si on veut que cette œuvre-là se poursuive une fois que nous, on va être partis, il faut absolument qu'elle s'africanise, il faut que ce soit un hôpital en Ouganda qui est administré et que les gens qui y œuvrent dedans soient des Ougandais. Et donc, très rapidement, ils ont fait une école d'infirmières. Ça, c'est une chose. Mais plus tard, dans les années 80, ils ont été aussi un endroit de stage pour les gens qu'on dit nouvellement gradués pour venir faire leur stage. Et donc, ça, c'était aussi... quelque chose de très, très important pour aujourd'hui d'être officiellement plus dans un cursus universitaire. Mais c'est quelque chose qui était essentiel pour eux. C'était, bon, il y avait deux gros mottos. Hein, c'est soigner le plus de monde à la meilleure qualité de soins, à un prix le meilleur. Ça, c'était le motto numéro un. Puis le deuxième motto, c'était... Il faut pérenniser et donc il faut que les Ougandais prennent en charge l'hôpital de Lachar. Vous avez évoqué tout à l'heure très rapidement, et même c'était Amin Dada qui était impressionné, qu'ils dirigeaient leur hôpital avec une certaine fermeté. J'imagine que quand on est dans une situation aussi périlleuse, dangereuse, difficile, peut pas avoir beaucoup de marge de manœuvre. Il faut que la ligne, la verticalité des ordres, il faut que ça soit clair. Alors, parlez-nous un peu de comment on gère un hôpital dans des circonstances aussi difficiles. Est-ce qu'ils avaient le choix, justement? Ils n'avaient peut-être pas vraiment le choix d'être aussi fermes dans leur direction. Jusqu'à un certain point, moi, ça revient régulièrement hein, quand on lit les écrits sur leur hôpital, que la discipline est importante et qu'il en laissait pas passer une, en gros. Donc, je pense que, et même à un moment donné, j'ai lu dans une lettre, en tout cas par une des infirmières, qui disait... que le personnel trouvait ça dur, qu'il les trouvait un peu dur, un petit peu psychorigide. Mais les patients, eux, ils étaient contents. Ils étaient bien traités, ils étaient traités avec dignité, et ça, c'était jamais remis en cause. Donc, je pense que oui, ça prend... il y a une chaîne de commandement pour que les choses marchent. T'sais, c'est un hôpital qui a passé de 40 lits à aujourd'hui, on est à 500 lits, avec 500 personnes qui y travaillent. Il faut avoir une rigueur. Il faut arriver à l'heure pour faire la visite médicale. Eux autres, ils étaient ouverts 24/7 et ils ont travaillé dans des circonstances tellement difficiles que... Cette rigueur-là de travail
faisait partie, en tout cas, je pense, de l'ADN de l'hôpital. Puis quand on écoute des entrevues des directeurs aujourd'hui qui sont tous ougandais, ils parlent tous avec une certaine fierté d'avoir cette discipline-là. D'avoir poursuivi cette rigueur. Ouais. Au début des années 80, donc, il y a l'apparition de ce mal nouveau, qui est le VIH. J'imagine qu'au début, surtout en Afrique, je dirais surtout parce que au niveau peut-être au niveau des laboratoires, au niveau de la science, c'était plus limité. J'imagine qu'on était dans le brouillard total. Comment ça va se passer, puis comment ça va se développer ce grand mal, et pourquoi l'Afrique semble avoir été plus affectée? On se souvient des grandes campagnes de Nelson Mandela quand il est sorti de prison. Parlez-nous un peu de ce grand mal qui a évidemment eu raison, ultimement, de Mme Teasdale. Bien, je veux dire, je ne suis pas une experte en maladies infectieuses, puis je pense que Dr Lebel est dans son audience, fait que je vais faire attention. Mais parce qu'on ne s'entend pas, puis c'est très dur de parler pourquoi l'épidémie de VIH-SIDA a été si prévalente en Afrique, dans le continent africain. Mais clairement, en tout cas, fait que là, pour me préparer, j'ai appelé mes amis en Afrique du Sud. J'ai dit, envoyez-moi deux, trois mots, là. Fait qu'ils ils ont fait ça. Je vais vous dire qu'est-ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit la méconnaissance des mécanismes de l'infection. Ils m'ont dit le manque d'accès à l'information, la stigmatisation, l'ostracisation. Donc, si tu l'étais, si tu étais tellement stigmatisé, puis donc, ça créait le déni. Puis, il y en a qui parlent du, le fait que les gens ont beaucoup de... Les gens qui appellent ça du vagabondage sexuel, là, ou multipartenariat. Mais aussi l'idée de l'inadaptation des campagnes de prévention, parce que, tu sais, on a mis en avant, en Afrique, l'abstinence. Bien là, tu sais, c'est ça marche pas, là. Puis l'Église, c'est qui n'a jamais embarqué là-dedans. Donc, c'est ça, c'est sûr que ça n'a sûrement pas aidé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui articulent ça aussi autour de la pauvreté. Je veux dire, si tu n'es pas capable de manger, tu vas être capable de t'acheter un condom, puis encore moins t'acheter des médicaments. Donc, c'est difficile à dire sans d'avoir quelque chose sans aussi tomber dans des généralisations qui pourraient heurter des gens. Donc, c'est difficile à cerner. Mais il demeure qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 40 millions de personnes qui sont décédées de ça. On sait qu'il y en a 38 millions qui vivent encore avec ça, qu'à chaque année, il y a 1,5 million de personnes qui s'infectent, puis environ 600 000 qui en meurent à chaque année. C'est énorme, là. La question, on s'énerve avec la COVID, oui, mais honnêtement, là, tu sais, je veux dire, la première grosse pandémie des temps modernes, ça demeure que c'est le VIH-SIDA. Et vous disiez qu'il y avait certaines campagnes qui prônaient l'abstinence. On imagine que c'était beaucoup dans les milieux peut-être plus religieux qui prônaient ce type d'approche. Est-ce que ça pourrait expliquer l'attitude, la froideur du pape Jean-Paul II? Parce que vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, mais il va y avoir une visite du pape Jean-Paul II en Ouganda, même à Goulou, et il ne va pas visiter l'hôpital. Est-ce qu'il y a un lien? Comment expliquer cette... Moi, je ne sais pas. Ils avaient été voir Jean-Paul II en 83 au Vatican. Ah oui? Donc, l'organisation QAM, qui était l'organisation des médecins italiens qui envoyaient des gens à l'hôpital de Lacha, et Piero Corti et Lucie Tizis ont rencontré Jean-Paul II. Puis là, en 92, il y a eu la rumeur qui était pour venir, puis il venait à Goulou, en plus. Ouais. Puis il est allé voir l'hôpital, un autre hôpital qui était apparemment protestant. Et là, Dr Teasdale, là, elle l'a vraiment pas pris. En tout cas, là, mais vraiment pas. Hein. Fait que elle a dit qu'elle n'allait pas à la messe du pape. Elle n'était pas pour se déplacer. Non, mais il n'y en était pas question. Elle s'est mise de garde, puis elle s'est assurée qu'elle n'était pas pour y aller. Ça, c'est le côté pratique d'être médecin, on est de garde. Quand ça ne fait pas notre affaire. Puis elle a même, tu sais... menacée de virer protestante. Bref, mais elle a fait plein de choses comme ça. Elle était outrée. C'était outrée avec un O majuscule. Ils ont eu une explication, quelque chose? Pas vraiment. Moi, j'ai pas pu trouver, non. C'est mystérieux. Alors, elle apprend qu'elle a contracté le sida. Donc, au milieu des années 80, à peu près. Mais elle prend la décision de continuer à travailler.
j'imagine que... Comment expliquer? J'imagine qu'on est parfois confronté à ce genre de dilemme. On est malade et puis peut-être qu'on peut être infectieux, mais on ne le sait pas trop. Et puis qu'on continue à travailler. Comment expliquer cette décision? Oui, bien, juste pour revenir un petit peu, Dr. Cizil s'est probablement infecté en opérant, là. Puis il faut comprendre à quelque part, tu sais, qu'elle a fait beaucoup de chirurgie de guerre, notamment là, pendant les années, là, fin 70-80. Elle pense qu'elle aurait contracté autour des années 79. Puis à ce moment-là, elle racontait qu'il y avait beaucoup de blessés par balles et que c'était des os qui étaient éclatés. Donc, quand elle faisait des chirurgies, elle allait sortir des parties d'os, puis que régulièrement, en ce cas, elle aurait déchiré ses gants. Donc, elle les changeait, mais bon... elle était vraiment axée sur la tâche. C'était un bourreau de travail, hein, ce médecin-là. Donc, elle pense à ce moment-là, puis comme tout le monde, quand dans les années 80, le Slim Disease est arrivé, elle s'est bien rendue compte qu'elle avait des affaires qui ressemblaient pas mal à ses patients. Elle perdait du poids, elle a eu des maladies opportunistiques, le zona. Et donc, en 1985, elle s'est fait tester, puis il était positif son test. Et à ce moment-là, elle est allée consulter un immunologue à Londres, Dr. Pinching, puis elle en a parlé, puis lui a dit, vraiment, juste attends qu'il y ait un autre chirurgien goulou, je pense que vous êtes beaucoup plus utile à faire de la chirurgie qu'à ne pas faire de la chirurgie. Puis après ça, elle a parlé à un médecin ougandais qui lui a dit, vous allez sauver beaucoup plus de vies en continuant à faire de la chirurgie, puis... De toute façon, vous allez prendre les bonnes précautions, donc vous n'allez pas infecter quelqu'un. Ça serait étonnant. Donc voilà, elle dit, vous connaissez, vous comprenez le mécanisme. Et donc, elle a continué à faire de la chirurgie jusqu'à très tard, hein, jusqu'à très, très tard. Jusqu'à l'année de sa mort? Oui, sa dernière chirurgie, apparemment, dans son journal personnel, c'est le 16 mars 1996. Puis elle a quitté l'Ouganda au mois d'avril parce qu'elle se sentait trop faible, parce qu'elle n'était plus capable de se tenir debout. Elle était en bas de 40 kilos, puis elle est rentrée en Italie. Alors, qu'est-ce qu'on sait justement de ces derniers moments? Mais dans ces derniers moments, ben, elle était avec Piero Cortier, était avec elle, sa fille aussi était des alentours, et sa sœur aussi était là. Donc, elle était très malade. Elle avait effectivement les maladies opportunistiques. Elle avait du muguet, hein, qui est une candidase au niveau de la bouche. Ça lui faisait très, très mal. Elle n'était pas capable de manger. Elle était très, très faible. Les deux dernières journées étaient plus ou moins conscientes, là. Mais elle était entourée des gens qui l'aimaient, clairement. Et ce qui est assez bouleversant, c'est que cette année-là, donc en 1996, une institution à laquelle vous êtes rattaché, l'Université de Montréal, lui remettait un doctorat honoris causa. Et plutôt que d'y aller elle-même, c'est sa sœur qui est allée le recevoir à sa place. Donc, on imagine que les administrateurs de l'université étaient bien déçus, mais heureux, bon, par la sœur. C'est assez bouleversant. Et justement, parlant de cette reconnaissance, on a l'impression que l'Italie a reconnu Lucile Tisdel avant le Canada et le Québec. Oui, bien, à partir des années 80, il recevait différents prix, puis il y a tout... Si vous faites une recherche, elle a reçu des... Et Piero Corti et elle ont reçu des prix, de l'Italie surtout. Leur gros truc international, c'était quand ils ont gagné le prix Sasakawa de l'OMS dans les années mi-80. Puis c'est seulement... Elle a gagné, elle, l'Ordre du Canada en 1991. Donc c'est vraiment dans les années 90 qu'on a commencé à se rendre compte qu'on avait quelqu'un de hors norme qui faisait un travail extraordinaire en Ouganda. Puis elle a gagné l'Ordre du Québec en 1995, qui lui a été remise par Parizeau. Puis ce que les gens relatent par rapport à ça, c'est que Parizeau lui a fait la bise. Et là, il faut se rappeler, hein, c'est le VIH, on essaie de prêcher par l'exemple, puis c'était aussi un baiser très symbolique par rapport à la communauté des gens qui étaient séropositifs. Mm-hmm. Elle a un côté très pratique, Lucie Tisdale, parce que justement, à un moment donné, elle raconte qu'elle va recevoir un prix puis une médaille. Puis elle dit, une médaille, elle dit, paraît qu'elle... Elle dit, j'espère, elle dit qu'elle est en or parce que tu la fais fondre, peut-être je vais pouvoir ramasser de l'argent.
pour la fondation. Donc, c'est très pratique. Ben justement, la fondation Teasdale Corti, est-ce qu'elle a été créée de leur vivant ou après ou comment? Elle a été quelle créée. Quelle est sa mission? J'imagine que sa mission, c'est pour avoir des fonds pour l'hôpital de Latchar. Mais si je ne dis pas de bêtises, je pense que le pendant italien a été créé avant le pendant canadien. Mais on a des gens ici dans l'assistance qui vont me corriger. Mais je pense que c'est 93 pour l'Italie, puis je pense 95-96 pour le Québec. Je pense que leur mission, c'est faire du financement pour l'hôpital de Latchar pour s'assurer justement qu'on donne les meilleurs soins à plus de gens possible au meilleur prix. C'est un hôpital aujourd'hui, comme je disais, 500 lits, un budget opérationnel d'à peu près 9 millions par année canadien. J'ai regardé leurs chiffres, ils voient autant de patients à la clinique externe que Sainte-Justine. C'est quand même intéressant, hein? Puis, ils envoient 178 000. Nous, à Sainte-Justine, on envoie 200 000, à peu près 200-220 000. Puis, ce que je trouvais encore plus intéressant, c'est qu'ils font 9 200 accouchements par année, dont près de 2 400 de césariennes. Puis, à Sainte-Justine, on en fait 3 392 par an, quand même. Hein? Donc, eux, ils ont 700 employés. Puis, nous autres, à Sainte-Justine, on a 5 449. Non, je crois que ça, c'était pour vous faire rire. Non, mais quand on parle, tu sais, de refaire notre système de santé, on aurait peut-être des leçons à apprendre de l'hôpital de Latchar. D'ailleurs… L'efficacité, puis… Je suis certain qu'ils accueillent les dons de partout, d'où, hein, peu importe les pays. Oui, oui. Donc, ils ont des dons, puis je pense que, si je ne dis pas de bêtises, 65 % des dons viennent de l'étranger. Mais eux, ce n'est pas des soins complètement gratuits, donc le patient participe. Donc, 22 % de leur budget vient de ce que le patient paie, le reste vient là, de différentes gouvernementales, tout ça. Là. Alors, la reconnaissance a tardé à venir peut-être au Québec, au Canada, peut-être qu'elle a suivi celle de l'Italie, mais elle est venue, puisque si vous regardez dans la toponymie, il y a beaucoup de rues, de boulevards, de places, Lucille Teasdale. Donc, sa mémoire a vraiment… elle est là, elle est présente. Il y a eu une série télévisée. On a l'honneur, d'ailleurs, d'avoir parmi nous Marina Orsini, qui a interprété Lucille Teasdale. Bienvenue. Merci d'être là. Donc, sa mémoire a poursuivi. Mais pour vous, ça serait quoi le legs de Lucille Teasdale, ou les legs pour vous? Mais moi, je pense que quand on vit à l'ère d'aujourd'hui, que je trouve que… moi, je suis pédiatre, puis à l'urgence, j'ai des enfants qui viennent puis qui me disent qu'ils n'ont pas envie de vivre, puis qui me disent qu'ils sont éco-anxieux, puis que de toute façon, la planète, là, ça ne marche pas. On n'a pas de plan B planète. Ils ne veulent pas étudier, ils ne veulent pas faire d'enfants. Puis moi, je pense que le legs, c'est la ténacité d'un rêve, mais aussi c'est la ténacité du don de soi-même. L'abnégation que autant Pierrot que Lucille disait, mais aussi en leur personnel, là, dont tout le monde fait preuve, toujours, encore aujourd'hui, à Latchar, et exemplaire. Moi, qui ai quand même passé une très grande partie de ma vie à l'étranger, puis que je continue à aller, j'ai l'impression vraiment d'être un touriste humanitaire. Je trouve que leur engagement est hors norme. Je trouve que leur don d'eux-mêmes, une abnégation d'eux-mêmes, est vraiment, vraiment, vraiment exemplaire. Et je pense que c'est important parce que on est dans une ère où tout le monde pense un peu trop à eux-mêmes. Et quand on voit des gens comme ça qui… puis elle disait, hein, Lucille, tu disais, elle a dit, elle disait qu'elle était quand même heureuse. Hein, c'était dur. Mais elle était heureuse, puis je pense pas qu'elle aurait pu imaginer autre chose pour elle-même. Moi, tu sais, chapeau bas. Puis j'aimerais ça que tous mes enfants qui sont tristes puis qui ne savent pas pourquoi ils vivent, mais qui regardent puis
qu'il est son histoire, parce que c'est quelqu'un qui a eu un rêve, puis elle l'a abouti. Puis moi, je leur dis, je veux dire aux jeunes, puis je veux dire aux gens dans la vie, bien, il faut vivre, il faut rêver grand, parce que ça marche. Ça a marché pour Lucille Tisdale, ça a marché pour moi, puis ça va marcher pour vous. Ah, il nous reste quelques minutes, et je vous pose quand même la question, en quoi, à vos yeux, justement, Lucille Tisdale peut être considérée comme une figure marquante de l'histoire du Québec? Bien là, je veux dire, pour moi, c'est comme la Céline Dion du travail à l'étranger, missionnaire laïque. Donc, honnêtement, je lui donne... c'est vraiment un 5 étoiles. Là. Elle y a pas, c'est dur à battre. Puis, je pense que les Québécois devraient être fiers qu'elle est chez nous. Puis on devrait régulièrement avoir des événements qui rappellent des gens qui ont... Moi, je vois peu de gens, en tout cas dans ce secteur-là, qui ont l'équivalent. De jamais compter... Puis, tu sais, ils ont quand même fait le sacrifice, on n'en a pas parlé, mais on était supposé d'en parler, là, mais quand leur fille était là, à un moment donné, ils se sont dit « c'est trop dangereux », puis ils ont envoyé leur fille étudier en Italie. Donc, elle a été, à partir de l'âge de 10 ans, chez une tante, puis Dominique, elle disait « ben non, mais moi, je suis ougandaise, là, je suis née là. » Puis là, elle s'est battue quand elle a eu 15 ans pour revenir étudier en Afrique, donc elle est allée au Kenya. Mais mes autres, ils ne pouvaient pas abandonner. Ils ne pouvaient pas abandonner l'hôpital de Latchar. C'était impensable. Et je pense qu'on en a besoin on a besoin d'avoir des gens qui ont des rêves comme ça puis qui sont têtus. Têtus pour y arriver. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Être têtus. Merci beaucoup, Dr. Liu. Merci beaucoup.